Bonjour et bienvenue dans ces pratiques. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un cours un peu particulier. J'espère que je ne vais pas me perdre en cours de route. Une sorte de boucle infinie où en fait on va commencer comme on va finir. Et l'idée, c'est que on n'est plus ensemble depuis un moment. On pratique chacun chez soi. En tout cas, moi, quand je filme, j'ai l'impression, je ressens une énergie et j'ai l'impression que vous êtes là. Donc, l'idée de la pratique aujourd'hui, ce serait, on est tous tout seuls chez soi à des moments différents, mais d'essayer de partager et ressentir cette énergie qui circule dans un espace-temps un peu bizarre et de se dire qu'on est seul sur le tapis, mais ensemble, au niveau de l'énergie qui circule. Donc pas d'autre prétention que ça. Et puis, peut-être on va assez rapidement bouger, donc moins d'échauffement au départ. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, fermer les yeux, et puis juste prendre un moment ici pour faire une petite pause entre avant que vous mettiez cette vidéo et puis là maintenant. Juste voir comment c'est à l'intérieur, observer la respiration, ce va-et-vient entre intérieur, extérieur. Observez aussi au niveau de la nuque, bougez. Vraiment, observez si vous voulez aussi bouger le bassin. Regardez ce qui a envie d'émerger là maintenant. Peut-être prendre une grande inspire avec le nez. Grande expire par la bouche. Relâchez un peu les épaules. La mâchoire, si vous avez envie de faire des grimaces. Je ne vais pas les faire moi, mais allez-y. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis juste déjà étirer votre jambe gauche au sol. Ramenez le pied droit contre la jambe ici. Inspirez. Allongez la colonne jusqu'au sommet du crâne et puis à l'expire, vous penchez en direction de ce pied gauche avec l'intensité dont vous avez envie. Ça peut être très doux, très rond, très relâché ou très actif. Vraiment, ça dépend de ce que vous avez envie, besoin. J'inspire, vous pouvez vous redresser et puis à l'expire, on va aller voir ici pour une petite torsion de notre côté droit. Donc ma main gauche est sur mon genou droit et je vais voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Inspire ici, expire, reviens au centre et on va changer. Donc c'est jambe droite qui s'allonge, pied gauche qui vient contre la cuisse. La même chose ici. Inspire, j'allonge. Expire, je me penche en avant. N'oubliez pas de relâcher la mâchoire, la nuque, la tête. J'inspire, vous pouvez vous redresser et puis sur l'expire, on va aller voir notre côté gauche ici. Inspire, allonge la colonne, expire, tu peux peut-être aller légèrement plus loin. Inspire.
Si vous pouvez vous mettre à quatre pattes, ici, on ne va pas forcément faire les choses dans l'ordre aujourd'hui. Donc ici, on est à quatre pattes, ancrez bien vos mains dans le sol, déplacez vos pieds vers l'arrière et on vient ici en planche. Inspire, et sur l'expire, tu poses dans tes mains, tu viens en chien, tête en bas. Et toujours hein, bouger comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. Et prochaine inspire, déplace tes épaules, viens en planche, dépose tes genoux au sol, les fesses en arrière pour une posture de l'enfant. Il paraît qu'en yoga, il faut être plus malin que ses habitudes, donc aujourd'hui, je vais tout changer et pas mettre dans l'ordre. Prochaine inspire, tire dans tes mains, viens à quatre pattes. Expire, plie les coudes, ramène le buste vers l'avant. Déplace tes mains où tu as envie pour trois cobras un peu libres. À l'inspire, tu te soulèves, lève la poitrine, ouvre la poitrine. Expire, en direction du sol, déplace tes mains. Inspire, cobra. Expire, en direction du sol. Pour le troisième, mets tes mains sous tes épaules. Inspire, cobra. Pousse dans tes mains. On retrouve notre quatre pattes ici. Et puis ici, tu vas soulever la cuisse droite. Je vais montrer autrement. Hop, tu vas soulever la hanche droite, le genou droit, comme un chien qui fait pipi. Hop, comme un chien qui fait pipi, tu soulèves sur le côté. Et puis tu joues ici avec l'articulation de la hanche droite. Hop. Tu fais des cercles dans un sens, dans un autre. Tu vas vers l'avant, vers l'arrière. Vraiment, tout ce qui te semble intéressant à aller explorer. Et puis gentiment, hop, tu ramènes ce pied droit à l'avant du tapis, entre tes mains. Ici, à l'inspire, si tu as envie, tu peux venir sur les orteils à l'arrière, peut-être on a un peu plus de stabilité. À l'inspire, les mains vers le ciel, et puis on va aller tirer vers le haut, vraiment, comme si on cherchait une ligne droite entre mon genou qui est au sol, mon bassin et mes épaules jusqu'au bout des doigts. Donc on essaie vraiment d'aller vers le haut et tirer vers le haut à l'inspire. À l'expire, je vais ramener le bassin vers l'avant, baisser mes épaules vers le bas, ouvrir ici la poitrine, et ramener mes omoplates l'une vers l'autre. Inspire, je me redresse vers le haut, ça me tire vers le haut et je retrouve ma ligne. Expire, je descends le bassin en direction du sol. Inspire vers le haut. Troisième et dernière fois, expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire, ramène tes bras à l'avant du tapis à côté de ton pied. Soulève le genou arrière. Inspire en planche. Expire, pousse et tu viens en chien, tête en bas. Inspire, tu reviens en planche. Dépose les genoux au sol, les fesses en arrière, posture de l'enfant. Inspire, tu reviens à quatre pattes. Expire, tu plies les coudes, tu ramènes la poitrine en direction du sol. Trois cobras comme vous avez envie. Déplace les mains. Inspire, soulève la poitrine. Expire, la poitrine au sol. Déplace tes mains. Inspire, cobra. Expire, ici au sol. Mets tes mains sous tes épaules pour le dernier cobra. Inspire, cobra. Pousse dans tes bras. Ramène les fesses en arrière. Posture de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes. Et puis cette fois, c'est la hanche gauche qui soulève comme un chien qui fait pipi. Et tu joues avec ta hanche ici. Fais tes cercles dans un sens, dans un autre. Viens voir vers l'arrière. Fais des diagonales vers l'avant, vers l'épaule. Cherche un peu, sois curieux. Et puis hop, ton pied gauche, il vient à l'avant du tapis et entre tes mains.
comme tout à l'heure, à l'inspire, je soulève les mains en direction du ciel. Je me redresse ici et cherche une ligne entre genoux, hanches, épaules et la main jusqu'en haut. J'inspire ici. Expire, bassin vers l'avant. On utilise notre genou et on ramène nos épaules vers l'arrière ici. Inspire vers le haut, ça me redresse. Expire vers le bas et vers l'arrière. Inspire vers le haut. Dernière fois, expire vers le bas, vers l'arrière. Inspire vers le haut. Expire, les deux mains à l'avant du tapis à côté de ton pied. Soulève ton genou arrière. Déplace ton pied avant vers l'arrière. Inspire ici en planche. Expire, pouce dans les mains, chien, tête en bas. Comme tout à l'heure, inspire en planche. Expire, genou au sol, fesses en arrière, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Plie les coudes, poitrine vers l'avant. Dépose la poitrine au sol. Déplace les mains où tu as envie. Inspire, cobra. Expire au sol. Déplace tes mains. Inspire. Cobra. Expire au sol. Et pour la dernière fois, les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Pousse dans tes mains, fesses en arrière. Crochette les pieds, lève les fesses. Et viens en chien, tête en bas. Et puis gentiment, déplace tes pieds pour ramener tes pieds à l'avant du tapis, derrière tes mains, relâche la tête, la nuque pour la posture de la pince. Si jamais plie les genoux, c'est plus agréable. Relâche vraiment la mâchoire, la nuque, les épaules, les bras, tout le dos. Et puis inspire, remonte à moitié, allonge ici la colonne. Expire, relâche vers le bas. Plie bien les genoux, mets les fesses vers l'arrière. Inspire ici en chaise. Et puis expire, redresse-toi debout. Ferme les yeux. Relâche bien les épaules. Prends contact avec cette verticalité, observe ta respiration. Et puis gentiment, tu peux ouvrir les yeux. Et il faudra certainement déplacer ton tapis ou l'appareil avec lequel tu regardes la vidéo, parce qu'on va travailler ici au centre. On va toujours revenir au centre. On va partir d'un côté, faire des choses, revenir au centre, faire des choses de l'autre côté. Donc il n'y aura pas de vinyasa. Donc peut-être que l'appareil au centre ou déplacer le tapis. On va voir ce que ça donne. Mettez vos pieds parallèles au tapis. Je dirais un peu plus large que le bassin, mais on n'est pas non plus dans un grand écart ici. Il faut que ce soit immobile et que ça aille bien. Vous allez vite voir. Je vais rajouter chaque fois une posture. On va voir ce que ça donne ici. Mettez les mains au centre, on a déjà le mudra. On va juste fermer les yeux pour prendre contact avec ce centre. Et puis ouvrez les yeux. On va toujours inspirer ici. Inspire. À l'expire, c'est mon pied gauche qui va pivoter pour être à l'avant du tapis, je plie mon genou gauche et je viens ici dans un guerrier 2. À l'inspire, je reviens au centre et je remets mon pied parallèle au tapis. À l'expire, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je viens dans mon guerrier 2 ici. C'est un guerrier 2 où on a le genou qui part un peu plus vers l'avant, mais c'est pas très grave. Inspire au centre. On déplace le pied, on ramène les mains. On va le faire encore 2-3 fois. Expire ici, côté gauche en guerrier 2. Inspire au centre. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Encore juste une fois. Inspire au centre. Expire, guerrier 2. Inspire au centre. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Inspire au centre.
Maintenant, on va rajouter une posture. Inspire ici. Expire, guerrier 2 avec le pied qui bouge côté gauche. Ici, à l'inspire, c'est ma main qui est à l'arrière, qui va venir à l'avant de mon buste, qui va déplacer mes orteils vers l'arrière. Mon bassin est vers l'avant de mon tapis. Je suis dans la posture ici du croissant. Et je reste ici. J'active bien la jambe arrière. Inspire ici. Expire, je déplace mon pied arrière et je viens dans mon guerrier 2. Inspire au centre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Inspire, c'est ma main arrière qui vient vers l'avant, par le bas, qui déplace mes orteils vers l'arrière et mes deux mains au ciel. Et je suis ici dans ma posture du croissant. Elle peut être avec un petit peu de mouvement, hein, si je veux bouger un peu les orteils à l'arrière et tirer ici ma hanche. Inspire ici vers le haut. Expire, je reviens dans mon guerrier 2. Inspire au centre. Ici, on fait une petite pause, peut-être pour replacer les pieds. Ils ont tendance à se décaler un peu. Et on va rajouter une posture. Inspire ici. Guerrier 2, à l'expire, côté gauche. Inspire, ma main qui est à l'arrière. Amène mon pied, mon bassin vers l'avant. Expire, on retrouve notre même mouvement que tout à l'heure. Donc ici, c'est le genou arrière qui descend et les épaules, le même mouvement. Ici, on ouvre la poitrine vers l'arrière. Inspire, je remonte en posture du poisson. Expire, de nouveau mon genou qui va en direction du sol mais qui ne le touche pas, le genou arrière. Inspire, ça me remonte vers le haut. Dernière fois, expire, genou en direction du sol. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Et on revient au centre. Inspire au centre. Expire, on repart dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Inspire, main arrière qui mouline, qui ramène mon bassin vers l'avant, vers le haut. Expire, genou arrière en direction du sol, ouverture de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire, je descends. Inspire vers le haut. Expire, je descends. Inspire vers le haut. Expire, on revient dans notre guerrier 2. Inspire au centre. Petite pause, replace les pieds. Je reprends mon souffle. Peut-être on ferme les yeux. Et on observe notre respiration. Et on imagine peut-être nos voisins de tapis d'habitude qui sont chez eux. En tout cas, on imagine leur énergie. Et on va rajouter une posture. Inspire ici. Expire, on part de notre côté gauche, toujours. Guerrier 2. Inspire, le bras arrière. Reviens avec notre bassin vers l'avant. Expire, on le fait juste une fois. Notre petit genou en direction du sol, on ouvre la poitrine. Inspire, on revient en posture du poisson. Ici, on va faire trois fois. Sur l'expire, on se penche vers l'avant et nos bras vont vers l'arrière. Inspire, je remonte. Expire, je relâche vers l'arrière. Dernière fois, inspire, je remonte. Expire, je relâche vers l'arrière. Et à l'inspire, je remonte jusqu'en haut. Expire, guerrier 2. Inspire au centre. Même chose de l'autre côté. Expire, guerrier 2. Inspire, je ma main arrière, ma main ici, oups, en posture du poisson. Expire, le genou en direction du sol, l'ouverture de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire, je me penche vers l'avant. Mes bras vont vers l'arrière, je relâche. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant, je relâche les bras. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire vers le haut, expire, ouvre, guerrier 2. Inspire au centre. Petite pause ici. Ferme les yeux. Observe. On va partir avec l'ajout d'une posture ici. Inspire ici. Expire, ouvre sur le côté gauche avec ton guerrier 2. Vous connaissez maintenant. Inspire, la main arrière
qui ramène le bassin vers l'avant, les mains vers le haut. Expire le genou vers le bas, la poitrine ouverte. Inspire vers le haut. Expire, on va le faire qu'une fois. On vient vers l'avant, les bras vers le côté. Ici, attention, quand on revient vers l'avant, on dépose notre main gauche au sol, le genou arrière au sol. Et ici, on va faire trois grands cercles, ici, avec cette main droite. Expire vers le bas. Inspire vers le haut, vers l'avant. Expire vers l'arrière, vers le bas. Vous pouvez suivre votre main du regard. Inspire vers le haut, vers l'arrière. Et c'est notre troisième cercle. Ici, on dépose notre main au sol. On soulève le genou arrière. On inspire. Croissant, main vers le haut. Expire, on revient vers notre point de départ. Guerrier 2. Inspire au centre. Même chose de l'autre côté. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Inspire, c'est la main arrière qui nous ramène ici vers l'avant. Expire, c'est moi qui lui enclenche le genou arrière en direction du sol, l'ouverture de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire, on a nos mains qui viennent vers l'arrière ici. Et attention, quand on arrive ici à l'avant, on dépose la main gauche au sol, le genou arrière au sol. Ici, c'est la main droite à l'inspire qui va vers le haut, vers l'arrière. Et on fait nos trois cercles. Inspire vers le haut, vers l'avant, le haut. Expire vers l'arrière, vers le bas. Dernier cercle. Inspire vers l'avant, le haut et vers l'arrière. Quand on arrive au niveau de notre pied, on dépose la main ici. On soulève le genou arrière. Inspire, croissant, expire, guerrier 2, inspire au centre. Petite pause, remettez les pieds. Inspire ici. Expire, guerrier 2, côté gauche. Inspire, la main arrière qui passe, qui va vers le haut. Expire, le genou en direction du sol, ouverture de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant, les mains vers l'arrière. Quand on revient vers l'avant, on dépose main gauche au sol, genou droit au sol. On fait juste un cercle. Inspire ici, expire. Quand on arrive ici en bas, on soulève directement pour revenir en posture du croissant à l'inspire. Expire, guerrier 2. Attention, c'est ici qu'on ajoute une posture. Inspire, on inverse ici le guerrier. Et on reste ici. Prochaine inspire, on vient au guerrier 2. Expire, on vient au centre. On reste ici une ou deux fois. Surtout pour moi. Et on y va. Inspire au centre. Expire, guerrier 2. Inspire, la main arrière qui vient, qui monte vers le ciel. Expire, le genou en direction du sol. Ouverture de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant, les bras vers l'arrière. Quand on revient vers l'avant, on dépose notre main gauche au sol, notre genou gauche au sol, on fait qu'un cercle ici. Vers le haut, vers l'arrière. Quand on arrive, cette main droite, on ira en direction du sol, on soulève le genou arrière et on revient en posture du croissant. Expire, guerrier 2. Attention, on rajoute ici, paume à l'avant vers le ciel. Inspire. On vient ici dans notre guerrier inversé. On reste trois respirations, juste pour ce passage. On profite pour étirer, observer comment on respire ici. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on revient au centre. Il nous reste une posture à rajouter après l'inversion. Inspire ici. Expire, guerrier 2. Inspire, main arrière ramène vers l'avant, croissant. Expire, genou en direction du sol, ouvrir la poitrine. Inspire, on remonte. Expire, les bras vers l'avant, les mains vers l'arrière. Ensuite, on ramène vers l'avant, dépose main gauche au sol, genou arrière au sol, juste un cercle. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Quand on arrive ici, on frôle le tapis. On soulève le genou arrière, on inspire ici en croissant. Expire, guerrier 2. Inspire, inverse. Expire, reviens vers l'avant ici en guerrier 2. Tends la jambe avant.
Ramène tout comme si on te tirait vers l'avant ici. La main, le bassin vers l'arrière. Et on pivote ici en triangle. Dernière posture. Trois respirations. Et inspire, on se redresse. Guerrier 2. Expire ici. Inspire au centre. Replace juste les pieds. Et on y va. Expire, guerrier de l'autre côté. Inspire, mouline, reviens au croissant. Expire, ouvre la poitrine, genou, direction du sol. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, dépose main gauche, genou arrière au sol. Inspire, cercle. Expire vers le bas. Tu frôles ton pied. Inspire, tu remontes en croissant. Expire, guerrier 2. Ouvre la paume de main vers l'avant. Inspire, inverse. Expire, tu repasses par un guerrier 2, mais tu tends la jambe avant. On tire sur l'inspire, ta main ici, droite vers l'avant. Expire, tu bascules pour ton triangle. On va faire une fois en entier la boucle. Inspire, tu te redresses, guerrier 2. Expire au centre. Replace tes pieds, prends ton souffle. Et juste dernière boucle. Tu la connais maintenant. Si tu te trompes, c'est pas grave. Inspire ici. Expire côté gauche, guerrier 2. Inspire mouline, croissant. Expire, genou arrière en direction du sol, ouverture poitrine. Inspire vers le haut. Expire, tu viens vers l'avant, puis vers l'arrière. Ici, quand tu reviens vers l'avant, dépose main gauche au sol, genou arrière au sol, tu fais ton cercle. Inspire, expire. Quand tu arrives ici, inspire, tu soulèves le genou arrière, tu reviens en posture du croissant. Expire, tu reviens en guerrier 2. Inspire, tu inverses. Expire, tu reviens en guerrier 2, tu tends ta jambe avant. Et sur l'expire, tu pivotes ici pour ton triangle. Inspire ici, redresse. Expire au centre. Replace tes pieds. On prend une respiration ici. Inspire. Expire, guerrier 2 de l'autre côté. Inspire, bras arrière, bien avant, posture de croissant. Expire, genou en direction du sol, ouvre la poitrine. Inspire, main au ciel. Expire, main vers l'avant, baisse-toi, main vers l'arrière. Ici, à l'avant, tu déposes genou arrière au sol, main gauche au sol et tu fais ton grand cercle. Inspire, expire. Quand tu arrives au niveau de ton pied, t'inspire, tu te soulèves le genou, les mains pour la posture du croissant. Expire, guerrier 2. Paume avant vers le ciel, inspire, inverse. Expire, reviens par un guerrier 2, tends ta jambe avant, pousse ton bassin vers l'arrière, ta main vers l'avant. Ouh. Ici, triangle. Inspire, redresse en guerrier 2. Expire, reviens au centre, tu peux ramener tes pieds petit à petit, fermez les yeux, relâchez les épaules, et observez. Et puis, tu peux te déplacer cette fois pour revenir à l'avant de ton tapis. On va repartir exactement comme on a commencé. Ici, on inspire en chaise. Expire, penche en avant pour la posture de la pince. Plie les genoux si nécessaire. Relâche la tête, la nuque, les bras. Inspire, remonte à moitié, allonge la colonne. Expire, voilà. Plie bien les genoux, mets les deux mains au sol, fais deux pieds, deux pas en arrière et tu te retrouves en chien, tête en bas. Inspire en planche,
notre exactement la même base que le début. Et puis comme au début, on va lever notre hanche droite comme un chien qui fait pipi. Et puis on tourne ici et on observe. Puis surtout, on peut observer la différence entre maintenant et puis peut-être le début de la pratique. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui est bien, c'est qu'avec le yoga, on est toujours vers la fin, à la fois semblable et autre. Toujours intéressant. Et puis comme au début, on ramène ce pied droit à l'avant du tapis, entre les mains. Exactement la même chose, on fait tout la même chose. Inspire, je me redresse, je trouve mon alignement. Expire, j'avance le bassin et j'ouvre ma poitrine. Trois fois, inspire vers le haut. Aligne. Expire vers l'avant. Ouvre. Dernière fois, inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut et puis sur l'expire, tu ramènes tes mains vers l'avant. À côté de ton pied, tu soulèves ton genou arrière. Tu viens en planche. À l'inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Genou au sol. Expire, posture de l'enfant. Inspire, pousse dans tes mains, tu repasses par un quatre pattes juste pour plier tes coudes, descendre le buste en direction du sol et venir déposer tes mains où tu as envie pour tes trois cobras. Et savourer. À l'inspire, tu soulèves, à l'expire en direction du sol. Inspire, cobra. Expire au sol. Et dernier, les mains sous les épaules. Inspire, cobra, pose dans tes mains, fesses en arrière. Et reste ici un peu dans un quatre pattes. Tu peux peut-être juste étirer un peu, si tu as envie, faire les mouvements qui te viennent. Et puis tu reviens dans ton quatre pattes. On va faire notre hanche qui fait pipi côté gauche. Donc je soulève ma hanche et je joue. J'observe. Ah, ça craque. Et puis tu ramènes ton pied à l'avant du tapis entre les mains. Inspire. On retrouve cette belle ligne droite ici, genou, hanche, épaule, où on a l'impression qu'on a une belle ligne droite. Inspire comme si on tirait vers le haut. Au niveau du plafond, expire, amène le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut et ramène tes mains vers l'avant du tapis ici. Soulève le genou à l'arrière, inspire en planche. Expire, pousse en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou au sol. Et cette fois, directement posture de l'enfant. Prochaine inspire, tu peux te redresser, les genoux sur les fesses, non ça veut rien dire, les fesses sur les talons, et puis après juste basculer d'un côté, et on va revenir à notre posture du début, on va garder la jambe gauche tendue, on va ramener le pied droit contre la cuisse gauche, vous connaissez maintenant, à l'inspire j'allonge la colonne, et à l'expire je me penche en avant. On observe ce corps qui est à la fois semblable et autre. Qu'est-ce qui a changé entre cette première posture au début de la pratique et maintenant? Peut-être que j'ai envie de quelque chose de plus doux qu'au début ou de plus dynamique, ou peut-être
Peut-être que ça n'a rien changé. C'est aussi bien. Prochaine inspire, on se redresse. Et puis à l'expire, on pivote de notre côté droit pour notre petite torsion ici. Inspire ici, expire, reviens au centre. Et puis déplace. Ici, c'est la jambe droite qui va être tendue. Pied gauche qui vient contre la cuisse. Exactement la même chose. J'inspire, j'allonge. J'expire, je vais vers l'avant. Inspire, redresse-toi, expire, on va aller du côté gauche pour notre petite torsion. Inspire ici, expire, reviens au centre. Et puis tu peux garder ton genou gauche plié vers l'avant et puis ramener le pied droit vers l'arrière. Là, les fesses ici peuvent être, je vais me mettre un peu penchée. Voilà. L'idée, c'est de trouver quelque chose où on a le genou gauche plié vers l'avant, comme un pigeon un peu, et puis le genou droit plié vers l'arrière. La fesse ici à droite, elle peut être soulevée, il n'y a pas de souci. On va aller dans la posture de l'ange. Comme c'est une pratique un peu atypique, il n'y aura pas de Shavasana, c'est la posture de l'ange qui va faire office de relaxation. Ici, il faut que ce soit confortable, on va rester 2 minutes dedans. L'idée, c'est qu'une fois que je suis bien au niveau de mes hanches, ben, je peux juste aller ramener mon buste vers l'avant. Mettez plutôt les paumes, si c'est possible, les avant-bras au sol et les paumes en direction du ciel. Et là, on trouve vraiment quelque chose de très yin, où on arrondit, on relâche les épaules, on relâche la nuque, la mâchoire. Et puis, on reste ici 2 minutes à l'écoute de notre respiration. On peut bouger, on peut changer la posture, observer cette hanche droite. Essayer d'être comme si on explorait cette hanche sans attente particulière, toujours. Si vous avez besoin de vous redresser, vous vous redressez. Observez ce qui se passe au niveau des épaules, mâchoire, nuque. Gentiment, vous pouvez vous redresser, pousser dans vos mains. On va changer. Donc cette fois, c'est le genou droit qui va être vers l'avant, comme la posture du pigeon. Et le genou gauche, pied gauche vers l'arrière. Vous cherchez ce qui est bien de ce côté-là. Quand c'est OK pour vous, vous gardez si vous mettez les avant-bras au sol. Si vous voulez remonter un peu, vraiment là, c'est... Faut que ce soit confortable, qu'il y ait quelques sensations observées, mais rien de, pas de lutte, pas de désagréable. Relâchez la tête, la nuque. Autant avant, ce qui était dynamique, on avait cette idée d'énergie, de groupe qui passe, de ensemble. Autant ici, c'est quelque chose de très introspectif et de très solitaire.
assise, en tailleur ou quelque chose qui vous fait du bien. Fermez les yeux. Peut-être comme au début, si vous avez envie de bouger un peu la nuque, le bassin. Un peu plus, vous allez prendre vos paumes l'une contre l'autre, les frotter très très fort, très très vite. Et là, on imagine qu'on est tous en train de se faire ce geste-là, tous en train de créer de l'énergie à des moments, des endroits différents, mais que ça peut circuler. C'est pas comment, pourquoi, mais pourquoi pas. Et quand vous sentez que vos paumes sont bien chaudes, bien chaudes, bien chaudes, vous les posez sur votre visage, au niveau des yeux, vous pouvez relâcher la tête. Juste observer cette chaleur, ces petits points lumineux, toute cette énergie qui circule, ce fameux prana en yoga, cette énergie universelle qu'on fait circuler grâce à notre respiration et qu'on peut faire circuler entre nous. Lentement, vous pouvez garder les yeux fermés, faire glisser vos mains le long de votre visage et les remettre en Anjali Mudra au niveau du cœur, les paumes l'une contre l'autre. Et puis, on peut s'envoyer à chacun, chacune, un sourire virtuel, comme si on se souriait tous en ce moment. Peut-être ressentir une certaine chaleur au niveau de la poitrine. Et puis vous pouvez vous envoyer un sourire à vous-même pour le petit moment que vous avez passé seul sur votre tapis. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Merci beaucoup. En tout cas, même si je suis toute seule chez moi, j'ai l'impression d'être avec vous. Donc merci et à bientôt pour un prochain cours.